Luc chapitre 4. We're going to the book of Luke chapter 4. Verset 38 au verset 43. From the verse 38 through 43. Il y a une grande soif. Hein. There's such a thirst, such a passion. Luc chapitre 4 verset à partir du verset 38. Luke 4 from the verse 38. Et quand Jésus se fut levé de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. Now he rose from the synagogue and entered Simon's house. Et la belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. But Simon's wife's mother was sick with a high fever and they made request of him concerning her. Et s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. So he stood over her and rebuked the fever and it left her. À l'instant, elle se leva et les servit. And immediately she arose and served them. Et après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. When the sun was setting, all those who had any that were sick with various diseases brought them to him. Il imposa les mains à chacun d'eux et les guérit. And he laid his hands on every one of them and healed them. Les démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, Tu es le Christ, le Fils de Dieu. And demons also came out of many, crying out and saying, You are the Christ, the Son of God. Mais il les menaçait fortement et ne leur permettait pas de dire qu'ils savaient qui était le Christ. And he, rebuking them, didn't allow them to speak, for they knew that it was the Christ. Et dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Now, et une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui et ils voulaient le retenir afin qu'il le guérisse tous. Now, when it was day, he departed and went into a deserted place, and the crowd sought him and came to him and tried to keep him from leaving them. But he said to them, Mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes l'évangile du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. But he said to them, I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I have been sent. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. And he was preaching in the synagogues of Galilee. Alléluia. Qui attire autant de personnes ici? Who attracts so many people up in this place? Qui a guéri cette personne à Bruxelles qui a laissé sa béquille, qui est partie sans béquille? Who healed that person back in Brussels who had a crutch and left him after being healed? Amen. Donc ce ne sont pas les hommes qu'il faut désespérément chercher. We should not seek for men. D'abord le Seigneur. We should seek for the Lord first. Si vous cherchez les hommes, if you seek men, you will be disappointed. Ça, vous l'avez compris. Amen. I think you have already understood that. Nous voulons vous parler de notre Seigneur Yeshua. We would like to introduce to you our Lord Car Jesus, les Écritures parlent de lui. Because the scriptures talk about him. Il était dans une synagogue. He was in a synagogue. Prêche la parole. Preaching the gospel. Il sort de là. Came out of there. Et la parole nous dit qu'il va se rendre chez Pierre. And the word said that he went to Peter's house. Qui veut inviter le Seigneur dans sa maison? Who wants to invite the Lord in their house? Wow. Et la parole nous dit que la belle-mère de Pierre était malade. And the word of God said that Peter's mother-in-law Elle avait une violente fièvre. With a high fever. Elle était couchée. She was bedridden. Elle voulait bien servir le Seigneur. She wanted to serve the Lord. Mais elle était malade. But she was sick. Et la parole nous dit qu'on va parler d'elle au Seigneur. And the word said that people talk to the Lord about her. Il y a des personnes qui vont faire la prière pour elle, qui vont intercéder. People prayed and interceded for her. Alléluia. Elle était tellement malade qu'elle ne pouvait même pas parler, elle ne pouvait même pas prier. She was so sick that she couldn't even talk, she couldn't even pray. Elle pouvait ni prier. She could neither pray, ni servir le Seigneur. Nor serve the Lord. Et il fallait des gens à côté, des hommes et des femmes de foi pour parler au Seigneur du cas de cette femme. And there needed people of faith to bring this subject to the Lord. On n'a pas parlé d'elle aux hommes.
They didn't talk about her to men. On a parlé d'elle au Seigneur. They talked to, about her to the Lord. Alléluia. Praise God. On peut se retrouver dans une situation où on ne sait plus comment prier. We could find ourselves in a situation where we don't know how to pray anymore. Il y a plusieurs types de maladies. There are different types of diseases. Les hommes sont de plus en plus malades. Men are more and more sick. Les humains sont de plus en plus malades. Humans are more and more sick. Vous les voyez marcher dans la rue, mais ils sont malades. You see them walking around the streets, but they are sick. Maladie physique. Physical diseases, des maladies spirituelles, spiritual diseases, des maladies, n'est-ce pas, psychologiques, psychologic, des gens ont des problèmes, des soucis. People have issues, they have troubles. Il y en a même qui ne veulent plus prier. Some also don't want to pray anymore. Beaucoup sont malades. Many are sick. Et le Seigneur se rend chez Pierre. And the Lord went to Simon's house. Voyez. Est-ce qu'il savait que cette femme était malade? Oui. See, did the Lord know that woman was sick? Yes, est-ce que le Seigneur connaît ta situation? Oui. Does the Lord know your situation? Yes, he does. Vous savez, certaines maladies sont plus psychologiques sont plus graves que certaines maladies physiques. You know, some psychological diseases are even more violent than physical ones. Et quand on regarde notre monde, and when we quand on regarde le monde, la terre, elle est malade. Les gens sont malades. When we look at the world, we realize how sick people are. Romains chapitre 8 nous dit que la terre éprouve, la création éprouve les douleurs de l'enfantement. The Bible says in Romans 8 that the earth is suffering the labor pains. Même sur le plan climatique, il y a des problèmes. La terre souffre. Even on the climate standpoint, the earth is la nature in pain. Est malade. Nature is sick. À cause du péché. Because of sin. À cause de la désobéissance d'Adam et Ève et à cause de nos péchés. Because of Adam and Eve's disobedience and also because of our tsunami sins. Ici. Tsunamis. Tremblement de terre là-bas. Earthquakes here. Problèmes climatiques. Climate issues. Voyez. Et nous sommes de plus en plus comprimés, compressés par les problèmes climatiques. And we are more and more assailed by those climatic issues. Pourquoi? Why? À cause de l'homme. Because of men. Voilà, des forêts sont détruites, complètement rasées. Forests are completely wiped out. Wiped out, pourquoi sorry. Pour produire encore et encore. In order to produce, et on détruit produce, là notre produce, propre habitat. And we destroy our own habitat. Parce que les hommes sont malades. Because men are sick. Et parce qu'ils sont malades, and because they are ils sick, détruisent le monde que Dieu leur a confié. They destroy the world that the Lord has entrusted. Dieu a dit à Adam et Ève, God told Adam and Eve, vous allez dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux de la terre. You shall govern over the fish of the sea, the animal of the earth. Dieu a créé un monde parfait. The Lord has created a perfect world. Il a créé des hommes, un homme parfait et une femme parfaite. He created a perfect man and a perfect pour woman. Qu'il dirige un monde parfait de manière parfaite. For them to govern over a perfect world perfectly. Mais l'homme responsable du monde parfait, but this man responsible of this perfect world, va se détourner du Seigneur, turn back from the Lord. Il va devenir imparfait. He became imperfect. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va, n'est-ce pas, détruire la perfection de la terre, du monde, de son habitat. And what happened next? He destroyed the perfection of his own habitat. Et c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes dans le that's monde. That's why there are so many issues around des the femmes world. Qui sont violées. Women are raped. Il y a des femmes violées. Women des raped. Enfants violés. Children raped. Des nations puissantes qui vont vers d'autres nations pour les appauvrir, les dépouiller, tuer les gens, déplacer les populations entières pour récupérer leurs terres. Powerful country going over to other countries to destroy the inhabitants and plunder it from them. Il y a des manifestations des populations des peuples dans le monde entier partout. And there are manifestations of people around the world, revolts, comme c'est le cas en France. As it's the case here avec in France, les gilets jaunes. With a yellow vest. Pourquoi? Why? Parce que les hommes sont malades. Because men are sick. Il y a plusieurs maladies. La cupidité est une maladie. It's different. Vouloir amasser au détriment des autres. Greed, c'est une maladie. The disease, this feeling of laying up at voyez? The other people's expense. On tue, on égorge, on assassine. Voilà. We slay, we kill, we murder. Les gens sont malades. People are sick. Des malades mentaux. Il y en a plusieurs, pas ceux qui sont enfermés, mais ceux qui sont souvent en costume et cravate et qui peuvent nous diriger. Maniacs. Ils sont malades. They are everywhere. Even those who are governing us, they are sick. Voyez? C'est ça notre génération. That's the generation remplie we're... de malades qui amassent des bouts de papier qu'on appelle argent. Full of maniacs oui? Collecting pieces of paper which are ils sont malades. Notes. They are sick. Vous avez vu? Ils sont pas tranquilles. They are not happy. Ils sont dérangés psychologiquement. They are mentally retarded. They are maniac. Comment voulez-vous qu'ils servent le Seigneur? How do you want them to serve ils sont the Lord? Malades. They are sick. Ils ne peuvent pas servir le Seigneur. They can't serve the Lord. Ils sont malades. Because they are sick.
Ils vont prendre une tronçonneuse. They took a chainsaw. Ils vont couper un arbre. I mean, they take a chainsaw. Ils vont prendre ce bois. They cut out a tree. Ils vont le transformer en papier. They take a piece of ils vont prendre de l'encre. They make a piece of paper ils vont of it. Imprimer des billets dessus. They take ink and they print out mettre sur ce papier pour le transformer en argent. They make this, en they monnaie. Make this piece of paper into money. L'homme va donner à ce bout de papier une valeur quelconque. Will give this piece of paper value. 10, 10, 20, 30, 40. 30, 40. Vous avez vu? See? Et ce même homme, ces mêmes hommes, ils vont amasser ce bout de papier chez eux. Vous voyez? Paper at home. Pourquoi? Why? Alors qu'on peut, tout peut être brûlé comme ça. When mais we know ils amassent. Ils ont 14 milliards quelque part. They have 40 30 milliards. Somewhere, 30 billion somewhere. Et juste à côté d'eux, and right next to them, vous avez des enfants de 5 ans qui sont à la rue, qui ne mangent pas, qui n'ont rien à manger. There are 5-year-old children that are in the street and vous avez des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de Dafalgan. There are people who are dying because Dafalgan. They are lacking medicine. 39 de fièvre, 40 de fièvre et ils meurent parce qu'ils n'ont pas de Dafalgan. They are dying because they are missing painkillers. Vous avez vu ça? See? Comment voulez-vous que ces gens servent le Seigneur? Ils sont malades. How do you want for these type of people to serve the Lord? They are sick. Vous avez vu dans ces pays où des femmes sont violées? See, those countries where women il y a beaucoup are d'églises. There are many churches. Tous les 200 mètres des églises. Every 200 meters, there, mais regardez, le nom, regardez, trouvez-moi le nombre de pasteurs qui ont construit des orphelinats pour ces enfants qui sont dehors. Built up for those qui ont construit des maisons pour des veuves, qui sont ces femmes qui sont, dont les maris sont égorgés par des milices. Vous avez vu? Les gens sont malades. People are sick. Les gens sont malades. People are sick. Ils ont des grands diplômes, mais ils sont malades. They have great diplomas, but they're sick. Ils vont étudier pendant 15 ans. 15 ans dans les grandes écoles. They went to university for pour apprendre many years quoi to learn. La cupidité. Greed. Pour apprendre quoi to learn la manipulation. Manipulation. Mais ils payent beaucoup d'argent chaque année pour étudier, pour avoir des grands diplômes. They spend a lot of money, every year to mais be on ne leur apprend pas l'amour. But they're not taught love. On ne leur apprend pas le partage. They're not taught sharing. Voyez? On ne leur apprend pas l'équité. They're not taught equity. On ne leur apprend pas la justice. They're not taught righteousness. Ils sont malades. They're sick. Et comme ils sont malades, and because ils donnent naissance aux malades. Of them being sick, et comme ils sont malades, to sick people. Ils détruisent le monde. And because they're sick, they're destroying the world. Vous avez vu? You see? Et c'est sur le monde dans lequel nous sommes. And that's the world we live in. Vous avez vu en Asie see, back in ce Asia, qui se passe? What's vous avez vu en Amérique? In America. Vous avez vu partout en Amérique latine? In Latin America. Cet enfant en Amérique latine, n'est-ce pas, de quoi 3 ans qui est décédé parce que ses parents voulaient se réfugier aux États-Unis. Vous avez vu? This three-year-old child who et qui est morte d'une petite fièvre. His life because their parents were voilà un monde de malades. The States. Ils sont malades. This is the world of sick people. Vous avez vu ces grands messieurs en costume et cravate et qui vont coucher avec des jeunes filles, des enfants, see des pédophiles. Vous avez vu, personne n'en parle. Little girls. Ils sont malades. Nobody talk about it. Vous avez sick. Vu ces présidents qui tuent leur population pour se maintenir au pouvoir. Pour se maintenir au pouvoir. To stay, et vous avez vu autour d'eux des gens en costume et cravate qui sont ministres qui n'osent pas leur dire la vérité. And around them, those ministers who mais ils sont tous malades. All of them are sick. Vous avez vu? Les vrais malades, ce sont eux, ils sont en liberté, ils sont malades. The true sick people, those are the true vous avez vu ces people. Présidents qui sont en fauteuil roulant et qui ne veulent pas céder leur place? See, those presidents who are in et qui prennent en otage tout un pays? They don't wanna, ils sont malades. Office and they are taking a whole, vous avez vu ces pasteurs? Vous avez vu ces pasteurs qui se disent éclairés par Dieu claim to be, et qui prennent la dîme Lord, des gens, qui prennent vos offrandes they take other people's tithing and offering. Et qui ne veulent pas aider les pauvres and they don't want to help the poor. Ils sont malades. They're sick. Vous avez vu tous ces marchands du temple, see all those, temple merchants. Qui vendent des Bibles they sell Bibles. Qui vendent des CD they sell vous CDs. Avez vu tous ces prédicateurs sur YouTube, sur Facebook, all those preachers on Facebook qui ne parlent pas du ciel, de la Nouvelle Jérusalem they don't talk about the kingdom qui ne parlent pas de l'enfer they don't talk about hell. Qui ne vous disent pas que si vous mourrez dans le péché vous allez en enfer et qui mettent leurs photos partout and they put ils sont malades. Pictures everywhere. They're sick. Vous avez vu tous ces gens qui prient pour la guérison see all those people who pray for healing. Et qui pensent que c'est eux qui guérissent et qui se glorifient de cela think those are the people, au lieu de prendre le micro et d'élever le Seigneur instead of taking the, ils parlent plus de la guérison miracle du Seigneur and ils sont malades they're sick. Vous avez vu see? Ils prennent les dons pour se glorifier ils sont malades
Le monde est rempli de malades. The world is full of sick people. Vous avez vu? See? Jésus arrive dans cette maison. Jesus got into et house. Il trouve une femme malade. And he found a sick woman. Jésus arrive dans le monde. Jesus gets in telle the world. Une maison. Such a house. Cette maison est remplie de malades. This house is full of sick people. Des malades. Sick people. Vous avez vu ces hommes qui battent leurs enfants? See those people who, beat on vous avez vu ces hommes qui prennent la ceinture qui frappent leurs enfants? Those, parents who take ils sont malades. And they whip their kids. Vous avez vu ces gens qui se divisent parce qu'ils sont de telle ethnie, de telle région. Et ils sont différents. Les gens de telle région qui vont égorger ceux de l'autre région, ils sont malades. See those people in the same country, they come from different tribes that they kill each other. Le racisme est une maladie. Racism is a sickness. La haine est une maladie. Hatred is a sickness. La jalousie est une maladie. Jealousy is a sickness. Regarder les gens en fonction de leur couleur est une maladie. Viewing people in regards of their les gens sont malades. Is a sickness. People are voilà sick. Le problème that's the issue du monde. That's the issue le monde est rempli de malades. The world is full of sick people. Dieu donne des dons aux gens. God gives gifts to people. Ils s'en servent pour attirer les gens à eux et non they à Dieu. Those gifts to ils sont malades. To them. They are sick. De quelle maladie? What, this is how we ben, ils n'ont pas bien compris l'amour. They misunderstood love. Ils ont vécu le rejet. They've went through et ils se servent du talent de Dieu pour attirer les gens à eux. And they're using the Lord's talent to bring parce qu'ils ont to besoin de se nourrir de belles paroles des hommes. Because they need to feed on people's sweet words. Vous avez vu? Sweet words. Ils sont malades. They are sick. L'idolâtrie est une maladie. Idolatry is a sickness. Les gens cherchent plus les hommes que Dieu. People seek more men than God. Et quand ils n'arrivent pas à voir les hommes, ils sont frustrés, ils sont malades. And when they fail to see men, they're frustrated. Vous avez vu? Tous ces gens qui se mettent à genoux devant les pasteurs. All those people who kneel down before pastors. Et les pasteurs les acceptent. And pastors accept ils sont malades. They are all sick. Frères, sœurs. Et les malades ne peuvent pas servir Dieu véritablement. Parce qu'ils sont empêchés par leur maladie d'aller vers Dieu. Vous avez vu? Tous ces gens qui viennent au programme de réveil, qui veulent s'asseoir toujours au même endroit et qui ne cèdent pas leur place aux autres, ils sont malades. Vous avez vu? Il y a plusieurs maladies. Il n'y a pas l'amour. De se dire, il y a quelqu'un qui vient nouvellement, je peux laisser ma place. Ils sont malades. Instead of giving up their seats to a new le m'as-tu vu? Time, vous avez vu toutes ces personnes quand l'onction vient, elles veulent toujours montrer qu'elles sont touchées. Elles sont malades. Elles veulent attirer le regard des gens sur eux. On ne rigole pas. Il y a des maladies, il faut se repentir. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de malades. It's so many sick people. Quelqu'un? Someone qui a toujours vécu le rejet. Who has always experienced rejection. Si Dieu lui donne l'onction. If God si Dieu lui donne un don. Him, you know, a talent, a gift. Ça va attirer les gens. It's gonna bring people. Si la personne n'est pas guérie dans son cœur, if this person is not healed in his heart, elle va retenir les gens. He's going to, elle va garder les gens. He's gonna keep the souls, the person, the people. Elle va se glorifier de ce don-là. The person will glorify himself. C'est un danger. Because of that, and that's a danger. C'est une maladie. It's a disease. Et Jésus arrive dans cette maison. Jesus walked into this house. Cette femme ne pouvait pas le servir. This woman couldn't serve him. Elle ne pouvait même pas adorer le Seigneur. She couldn't even worship the Lord. Elle était retenue par la maladie. She was kept by the disease. She was held back by the disease. Frères, sœurs, brothers and sisters, Dieu nous envoie vers les malades. God is sending us out to sick people. Alors, so, le Seigneur the Lord entend la prière des gens hear, the Lord hears par rapport à cette femme the people's prayers regarding, concerning this woman. Et il va la guérir. And he answered, he healed her. Et la parole dit, and the word of God aussitôt, says, cette femme va servir le Seigneur. Immediately she served the Lord. Comment voulez-vous servir le Seigneur? How do you want to serve the Lord? Étant malade. While being sick. Comment voulez-vous qu'un pays serve le Seigneur étant malade? How do you want for a country to serve the Lord while being sick? Si un dirigeant n'est pas guéri de la cupidité, il ne pourra pas servir le Seigneur. If a leader is not healed from greed, he won't be able to serve the Lord. On peut élire autant de gens que l'on veut.
We can elect how s'ils ne sont pas guéris, ils vont perpétrer la même chose. They will produce, they will create the same thing. Les mêmes causes, n'est-ce pas, et produisent les mêmes effets. The same causes la maladie. The same effects. Quelle est ta maladie? Disease. What is your disease? La colère. Anger. Le mensonge. Lies. L'orgueil. Pride. La glorification de ce que tu as reçu de Dieu. Self-glorification. Oh Dieu. God. Le Seigneur guérit cette femme. The Lord healed this woman. Elle sert Dieu. And she served God immediately. C'est ce que Dieu fait d'abord. She served the Lord immediately. That's what the Lord does. Il nous guérit d'abord. First, the Lord heals us. Il nous soigne d'abord. He heals us first. Et pour être soigné, and in order to il be faut healed, aller vers la bonne personne. You need to go towards the right person. Il faut parler à la bonne personne. You need to talk to the right person. Alléluia. Praise the Lord. Il y en a qui vont voir des marabouts pour être soignés. Some go to witch doctors to be healed. Qui font de la religion pour être soignés. Some others need religion to be healed. Chacun peut créer sa religion. Just anybody can create their own religion. Je veux vous dire une chose. Let Dieu, ça vous le savez, n'est pas venu bâtir une religion. God didn't come non. down to build a religion. No. Lisez la Bible. Read your Bible, people. Il n'y a pas la religion là-dedans. There's no religion in the Bible. Dans ce livre, in this book, il est question d'un seul nom. It's all about one name. Un seul nom nous a été donné. One soul name has been given to us. Alléluia. J'ai pas vu le nom de Shora Kwetu là-dedans. I didn't see the name of Jesse in this non. book. J'ai pas vu le nom du fondateur de ta religion, de ton église là-dedans. I didn't see the name of the founder of your religion in this book. Mais j'ai vu un seul nom. But I saw only l'apôtre Pierre dit, the apostle Peter sous le ciel, under the earth, aucun autre nom nous a été donné. No name has been given to us. Je veux dire aux malades, I want to tell the sick nous people, avons reçu la solution. We have received the solution. Dans ce livre, in this book, je n'ai pas vu le nom de l'Église catholique. I never saw the name of Catholic Church. L'Église protestante. The Pentecost. Les Églises évangéliques. The evangelical churches. J'ai pas vu le pentecôtiste. Pentecostalism. J'ai is pas not vu in the Bible. Les Kimbanguistes. Kimbanguists. J'ai pas vu. Is not in the Bible. J'ai pas vu non, rien de tout ça là. I didn't see none of that. Quand tu seras jugé, when you will be judged, Dieu te dira qu'est-ce qui est écrit là-dedans. God will tell you what is written in this book. N'est-ce pas quand on est jugé en France, dans le monde, les juges nous demandent, nous jugent par rapport à la loi. Isn't that true that when people are judged on this earth, people are judged according to the law? J'ai pas vu dans ce livre. I never saw in this book. Le Seigneur dit. The Lord saying. Que si tu veux être guéri. That if you want to be healed. Il faut être fidèle à ton église. You should be faithful to your church, loyal to qu'il faut your donner church. Ta dîme. You should give your tithes. Qu'il faut donner l'offrande. You should give your offering. Qu'il faut aller voir un prophète. You should see a prophet. Jésus est venu. Jesus came down. Il a dit tout est accompli. He said it is finished. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je veux vous parler de l'homme de Galilée. I want to talk to you about the man celui of Galilee. Qui change les temps et les circonstances. The one who changes times and circumstances. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. His name is Jesus of Nazareth. Il n'y a pas d'autre message. It's no other message. Dans Genèse, in Genesis, il y a Jésus. It's Jesus. Il n'y a que Jésus. It's only Jesus. Dans Exode, il y a Jésus. In Exodus, it's only frères, Jesus. Sœurs, partout, il y a Jésus de Nazareth. Sisters, all over, nous all n'avons Jesus. Pas d'autre solution que we ce Jésus de Nazareth. Than this name, Jesus. Tu peux venir me voir pour la prière. We can come to me for prayer. Mais si ce n'est pas le temps de Jésus, tu ne seras pas guéri. But if it's not the time of Jesus, you will not be healed. Paul a prié pour un homme malade. Dieu ne l'a pas guéri. Paul prayed for a sick man. God didn't Trophime. Answer. Il s'appelait Trophime. This man was named Trophime. Dieu est souverain. Trophimus. Il fait ce qu'il veut. He does whatever he will. Avec qui il veut et quand il veut with où il wants, veut whenever ne l'oubliez jamais whatever he wants. Don't forget that. Il ne reçoit des ordres de personne. He receives orders from no one. Il ne te guérit pas, dis gloire à Dieu. If he doesn't heal you, parce que sur la croix il a déjà accompli cela. Give him glory because on the cross he's already accomplished that. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Thank you Jesus. Jesus.
Je n'ai pas reçu d'autres messages. I didn't receive any other message. Je ne veux pas te parler de l'argent parce que ça va rester. I'm not going to talk to you about money because it will be left behind. Je ne veux pas te parler d'un bâtiment parce que ça va rester. I'm not going to talk to you about a building because it's going to be left behind. Mais je veux te présenter un homme. But I would like to introduce to you a man. Le seul. He's the only one. Avoir bouleversé le monde. To have overthrown the earth. Pourtant, il n'a prêché que pendant 3 ans. He only preached for 3 years. Il y en a qui prêchent pendant 80 ans, personne n'est touché. People, there are some who preach for 80 years, nobody. Il y en a qui écrivent tellement de livres, personne n'est touché. They write so many books, nobody. Mais Jésus lui-même n'a pas écrit un livre. But Jesus himself never wrote a book. Il a inspiré les hommes pour écrire. He inspired people to write books. Mais à l'époque de Moïse, avec son doigt, il a écrit quand même la Torah. Back in the time of Moses, well, he mais quand wrote il est venu, finger, down, il n'a pas écrit sa biographie. He never, il n'en a pas besoin. He never wrote his biography. Ce sont les autres qui écrivent pour lui. Others who wrote for him. Ça, c'est mon Dieu. That's my God right there. Frères, sœurs, brothers and sisters, il n'avait pas de Jimmy Weston. He was not wearing very luxurious shoes. Il n'avait pas de ceinture en croco. He was not wearing belts with crocodile skin. Il n'avait pas de jet privé. He didn't have any private jets. Il était sur un âne. He was on a donkey. Hallelujah. Mais quelle autorité! What an authority! Quelle autorité, frère! What an authority! Hallelujah! Je veux que tu l'acclames encore. I want you to give him a round of applause. Il mérite nos acclamations. He deserves our hand claps. Nous devons revenir à l'évangile. We need to return to the gospel. Il n'a pas besoin que tu écrives une lettre pour ton engagement vis-à-vis de lui. He doesn't need you to write down a letter for your commitment non. towards him. No. Jesus Christ. Il a à peine visité Salomon. Say that again. Il a à peine visité Salomon. He barely visited Solomon. À peine qu'il a visité. Barely did he que la reine de Saba quittait l'Afrique pour aller jusqu'en en Israël. The queen of Saba went from Egypt down to where Solomon lived. Ça c'est mon Jésus. That's my Jesus. Il y avait aucun journal. There was no newspapers. Aucun, il y avait même pas internet. No internet. Jésus, vous voulez le comparer à qui? Jesus, Jesus is matchless. Who do you want to compare him to? À ton prophète? You want to compare him to your prophet, but where is your prophet? Il est pas mort là? He's not dead. Va voir son cimetière là. Go to the cemetery. Il y a même plus d'os, la fini. Tout est mangé là par les vers de terre. Tout est fini. There's no bones. Everything is eaten up by maggots. Mais allez à Jérusalem. But when you go to Jerusalem, je suis allé à Jérusalem pour voir. I went to Jerusalem to je suis rentré dans sa tombe. I went down to his tomb. Le tombeau est vide. The tomb is je vous confirme qu'il est vide. And I'm telling you, the tomb is empty. Mais les autres prophètes, on dira ici est enterré tel prophète. But other prophets. I mean, on their tomb will be written, here is buried such prophets. Hallelujah. Jesus, il a de beaux yeux. He has beautiful eyes. Il a des cheveux magnifiques. He has wonderful hair. Il a une démarche glorieuse. He has a wonderful, glorious walk. Jesus, on l'invite. We invite him. Il est tellement galant. He is so gallant. Quand on l'a invité, when he was invited, il n'a pas commencé à chercher à guérir. Non. He didn't seek to il y a heal. Des gens appellent qui viennent chez vous, ils veulent imposer les mains à tout le monde. There are people as soon as they walk into your aucune house, humilité. They lay hands on everybody. No humility. Ils viennent chez vous. They come over ils vous disent, to the house. On va d'abord prier. And they say we will pray attends, first. Tu viens chez moi. But you come over to my et house, tu m'imposes la prière. And you impose prayer on me. Très 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 spirituel, TTS. Very 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 spiritual, VVS. Jésus arrive. Jesus got there. Il est Dieu. He's God. Il a vu que cette femme était malade. He saw that woman was sick. Mais il s'est assis normalement comme but tout le monde. But he sat down normally as everybody did. Et ce sont d'autres qui sont venus and du Seigneur. Others came over to Jesus. Elle est malade. And said, well, Jesus, she is sick. Il le savait. But Jesus knew already. Mais il attend que tu parles. But he waits for you to talk. S'il n'agit pas là, if he doesn't move, ne crois pas qu'il ne voit pas. Don't you think that il a vu ton see. Problème avant que tu ne sois créé. He saw your issue even before you was created, even before you were il created. Il veut que tu parles. He wants you to talk. Tu dois parler pour ceux qui ne peuvent pas parler. You need to talk for those who can't. Sois la voix de sans voix. Be the voice for the voiceless. Continue à parler pour ta famille. Keep talking for your family. Hallelujah. Oh Jesus. Le Seigneur se lève. The Lord rises up. La Bible dit. The Bible says. Il a menacé la maladie. He threatened the disease. Oh. Vous avez vu ça?
Did you see that? Aucun médecin ne peut menacer la maladie. No doctor can ever threaten a disease. Aucun médecin, on sait, non? Moi, j'ai jamais vu un médecin menacer une maladie. No doctor can ever rebuke disease. Jésus se lève. Jesus arose. Mais il aurait pu menacer la maladie une fois qu'il est rentré dans la maison. He could have rebuked the disease first thing when he walked into the house. Mais quand on lui a présenté le problème. But when they told him dit, about voilà, the issue, he vous said, avez well, reconnu que moi seul je peux guérir. You know. Hallelujah! Oh! Il veut que tu reconnaisses sa souveraineté. He wants you to admit his sovereignty. Il dit maintenant vous allez voir. He said now you will see. Il se lève. He rose. Jésus est le seul Dieu qui se lève pour nous. Jesus is the only God who arises for il us. Il arrive. And he got there. Il menace la maladie. And he rebuked the disease. Donc nous comprenons que derrière cette maladie il y avait quelque chose d'autre. So we realized that behind this disease there was something else. La maladie dit, the disease says, well, je quitte. Let me get la out of la maladie est partie. The Bible says that the disease came out. C'est écrit comme, it's written. La maladie est partie. The disease came out. Donc la maladie a pris ses bagages. So the disease took their baggage. La maladie n'a pas dit, mais tu sais, je suis ici parce que son ancêtre a péché. Non. The disease didn't say, well, I'm here because their on ne discute pas l'ordre du maître. We don't discuss the order of the master. Non. La maladie prend ses affaires. The disease took their stuff. Sida prend ses affaires. AIDS. Hépatite prend ses affaires. Hepatitis. Cancer prend ses affaires. Cancer. Diabète prend ses affaires. Diabetes. Le glucose, je ne sais pas quoi prendre ces affaires. Tout ça, ça prend. Glaucomas, ça sort. They all take their baggage. Les maladies ont des jambes, peuvent marcher. Diseases have legs, they can walk. Hallelujah! 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 Jesus. Non, il est terrible. He's wonderful. La maladie s'en va. The disease came out. La maladie quitte cette dame. The disease came out of quitte this woman. En même temps la maison. But at the same house, at the same parce que time, dans la maison où il y a Jésus. Because in a house where Jesus is. Il n'y a pas la confusion. There's no confusion. Oh, il ne peut pas siéger avec la malédiction. Non. He can't be sitting in the same place as disease. C'est pour cela qu'il veut pénétrer dans ta maison. That's il veut entrer dans ta maison. Aïe, 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 depuis qu'il est rentré à moi. Depuis qu'il est à moi là, plus de 26 ans, je suis pas allé voir un médecin. Vous savez? I haven't went to, I haven't gone to a doctor ever since he walked into my life. Chasse la religion de ta maison. Cast out religion. Chasse la religion de tes pensées. Cast religion out of your thoughts. Cast Jesus religion Christ. Out of your houses. Et laisse la place à Yeshua. And give all the place to Jesus. Porte et levez vos linteaux. Lift up your heads, O ye gates. Et le roi de gloire entrera. So that the King of glory may come in. On pose la question, mais qui est le roi de gloire? Who is the King of glory? Vas-y, c'est Yahweh des armées. Jesus is the King of glory. Hallelujah! Hallelujah! Jesus Christ. Hallelujah. Oh Jésus. Jesus. Oh Jésus. Jesus. Tu as ouvert ta maison aux gens. You open your house to people. Ils t'ont déçu. They disappointed tu you. Tu as hébergé les gens. You accommodated people. Ils ont profité de toi. And they took advantage of maintenant you. Ouvre ton cœur. Now open up your heart. Au roi des nations. To the King of nations. Ouvre tes pensées au roi des nations. Jesus Christ. Yes. Oh, alléluia. Chasse la peur. Cast fear. Chasse le doute. Cast doubt. Chasse le doute. Cast doubt. Et laisse Jésus entrer. And let Jesus in. Chasse la parole qu'on t'a donnée qui te condamne. Cast this word that people spoke on t'a dit your c'est impossible. You. They told you it's impossible. Chasse l'impossibilité. Cast impossibility. Alléluia. Cast it tout out. Est possible à celui qui croit. It is everything is possible to whoever believes. Il veut que tu penses que tu sois fou. He wants you to be crazy. La foi, c'est la folie. Faith is about crazy. Quand les gens disent c'est pas possible, when people say ce n'est pas possible, it's not possible. Jésus dit garde Jesus le silence. Keep silent. Jesus Christ. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh alléluia. Quand tu es complètement coincé. When you feel as if you were blocked. Quand tu ne sais plus quoi faire. When you don't know which way to turn. C'est là que tu dois tourner ton regard vers le ciel. That's when you should look up to heaven. Lève tes yeux. Lift your look up. Jesus. Tu vois non?
La dame se lève. The woman arose. Toi qui étais par terre. You who were on the floor. À cause des problèmes. Because of issues. Toi qui es par terre. Who you are still on the floor. Dieu va te faire te lever. The Lord is going to cause you to arise. Tout n'est pas fini pour toi. It is not over. Tout n'est pas fini pour ta famille. It is not over for your family. Il y a un temps de restauration. It's a time of restoration. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. But it's also a time to rejoice. Il y a un temps pour être par terre, il y a un temps pour se lever. But it's also a time to arise. Et Dieu se lève pour toi. God rises for you. Dieu se lève pour toi. Dieu se lève pour toi. Il se lève pour toi. Rises for me. Jesus. Job dit. Job says. Job était par terre. Job was on the floor. Il dit. He said. Je sais. I know. Que mon rédempteur est vivant. My redeemer lives. Et qu'il se lèvera. And he will. Qu'il se lèvera. Qu'il se lèvera. Il se lèvera. Il se lèvera. Il se lèvera. Il se lèvera. He will arise. Quand? When? Quand? When? Le dernier. The last. Le dernier. The last. Beaucoup de gens se lèvent contre toi. Many people arise against you. Et tu as l'impression que Dieu ne se lève pas. And you feel like God is not arising. Non, il se lève le dernier. But he's arising the last. Laisse les francs-maçons se lever. Let the Freemasons Laisse arise. Le diable se lever. Let the devil arise. Laisse le sorcier se Let lever. The sorcerers arise. Mais toi, garde le silence. But you keep tu n'es pas n'importe qui. You are not just anybody. Parce que ton Dieu n'est pas n'importe qui. Because your God is not just anybody. Jesus Christ. Woo. Jesus. Il y a quelque chose ici. It's something up in here. Il y a quelque chose ici. It's something up in here. Il y a quelque chose ici. It's something up in here. Hallelujah. Quand il se lèvera le dernier, when he shall arise the last, il va obliger tes ennemis, it will force your enemies, à te demander pardon, to apologize to you. Woo. Jesus. Oh Lord, I need you, Lord, my God, for I love you, God. Notre Dieu, our God, se lève. Arises. Quand on lapidait Étienne, when Stephen was being stoned, il a vu Jésus debout. He saw Jesus standing up. Wow. Ils vont te critiquer. They will criticize you. Ils vont même t'enterrer. They will bury you. Ils vont même signer de décret pour dire lui c'est fini. They will even sign. C'est du passé. Decree is to say it's Mais over. Ceux qui ne savent it's pas. It's from the past, but the one thing they don't know. Ils ignorent. They ignore que notre Dieu that our God s'appelle his name celui qui est the one who is celui qui était the one who was et celui qui vient and the one who is to come. Donc avec Dieu, so with God, il y a ni passé. There's neither past. Il y a ni futur. Nor future. Il y a que le maintenant, le aujourd'hui. It's only the here le and now, aujourd'hui. The here and le aujourd'hui. The here and Hallelujah. Now. Hallelujah. Jesus. Oh, on peut l'acclamer, frère. Il mérite la gloire. Let's give him a round of applause. Jesus. Oh, Seigneur, merci. Thank you, Jesus. Je veux dire à quelqu'un. I want to tell somebody. Si tu invites Jésus, if you invite Jesus, malgré tes combats, despite your si tu ne l'abandonnes pas, if you tu seras toujours d'actualité. You will be always around. Tes ennemis vont disparaître. Your enemies will disappear. Mais toi, tu seras toujours d'actualité. But you will always be around. Parce que notre Dieu est le Dieu Because de maintenant. Our God is the God of here and C'est now. Le Dieu d'aujourd'hui. He's the God of here and aujourd'hui. Here and now. Si vous entendez sa voix, today, if you n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. Today. Il peut agir. He's able to move. Aujourd'hui. Today. Vous avez vu? Si. Le nombre de sorciers qui m'entourent. The number of sorcerers around Il y en a beaucoup. It's many of Pourquoi them. Ils ne peuvent pas m'atteindre? Why can they reach Parce me? Que mon Dieu est debout. Because my God has a role. Alléluia! Hey! Il y a des gens qu'on ne peut pas avaler. There are people you can swallow up. Quand on les avale, when they are swallowed leur sang est amer. Their blood is bitter. Leur viande est amère. Their meat is bitter. Leur chair est amère. Their flesh tastes bitter. Pourquoi? Why? Parce qu'il y a le sang de Jésus Because en eux. The blood of Jesus within them. Hallelujah. Praise God. Que 1000 tombent à ta gauche. 1000 shall fall on your right. 10,000 à ta droite. 10,000 tu ne seras left. Pas. It shall not come. Hallelujah. Les flèches peuvent pleuvoir. Arrows may be many Les of gens them. Peuvent maudire. People could
La malédiction sans cause n'a aucun effet. Curse without cause is without effect. Comment veux-tu maudire quelqu'un que Dieu a béni? How can you curse somebody God has blessed? Ils ont invité Balaam. They invited Baal. Ils ont fait des incantations. They made incantations. Fait. Première incantation. Na 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 na. First spell. Ça n'a pas marché. The first incantation. Ils ont perdu 7 béliers, 7 taureaux, 7 je sais pas quoi. They lost 7 rams. Deuxième incantation. 7 bulls. The second incantation. Ça n'a pas marché. Still, ils ont perdu beaucoup d'animaux. They lost many animals. Troisième incantation. The third incantation. Ça n'a pas marché. Didn't work. Balaam dit. Balaam said. Comment veux-tu que je maudisse? How do you want me to quelqu'un curse que Dieu a béni? Somebody that God has blessed. Celui qui était censé maudire. Somebody who was supposed to a commencé par bénir. Has started to bless. Dieu, God, quand il se lève, when he rises, change la malédiction en bénédiction. It changes curse into blessing. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ton problème. Your issue ne te conduira pas à la mort. Won't lead you to death. Si tu comptes sur Jésus, if you rely ta situation Jesus, your issue sera transformée will be transformed en gloire. Into glory. Hallelujah. Hallelujah. Ça, c'est mon Jésus this de Nazareth. Is my Jesus of Nazareth. Il est particulièrement particulier. He is very particular. Particulièrement particulier. He is very particular. Jesus. Jesus. Who? Quand tu dors, when you sleep, il y a des géants qui veillent sur toi. There are giants watching over you. Tu ronfles, ils veillent sur toi. You snore, but they watch. Notre papa n'est pas surpris par nos attaques. Our father is not surprised at our attacks. 3 jours dans le ventre d'un poisson. 3 days in the belly. Or 3 jours et 3 nuits. Fish, 3 days and 3 nights. Qu'est-ce qu'il a fait là-dedans? What did Jonah do? Jonas a adoré. What did Jonah do? He worshipped. Dans tes problèmes, adore. When you were going through it, adore. Worship. When you're going adore through it, worship. Jesus. Frères, brothers, sisters, quand on invite Jésus, when you invite Jesus on over, rejette le péché. You reject sin. Les rapports sexuels avant le mariage, on dit non. Premarital sex, you say no to it. Et lui maintenant, il va s'occuper de toi. And Jesus will take care of you. Et quand il s'occupe de quelqu'un, and when Jesus takes care mon of somebody, Dieu, my. Mon Dieu, my. Ça c'est mon Jésus. That's my Jesus. Ça c'est mon Dieu. This my Jesus. La maladie s'en va. Disease go away. La maladie s'en va aujourd'hui. Disease go away right now. Et tu vas servir le Seigneur and autrement. You will serve the Lord differently. Je veux dire à quelqu'un. Want to tell somebody, à cause de tes problèmes, because of your issues, Satan croyait que tu n'allais plus servir Dieu. Satan thought you wouldn't serve God anymore. Mais il s'est trompé d'adresse. But he was mistaken. Ils sont trompés d'adresse. He was mistaken. Parce que tu es une battante. Because you are a fighter. Parce que tu es une guerrière. Because you are a warrior. Parce que tu es un guerrier. Because you are a warrior. Tu ne vas pas lâcher. You will not give up. C'est trop facile. It's too easy. Nous sommes arrivés à la fin. We have reached the c'est end là qu'il faut se lever encore. That's when we should rise. C'est là qu'il faut se lever encore. That's when we should rise. Au nom de in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus. Nous sommes la race des vainqueurs. We are of the race of the winners. Même par terre. Même par terre. Even on the floor. Nous adorons Dieu. We still worship. Même dans les combats. Even in battle. Nous louons Dieu. We worship God. Jesus Christ. Il y a quelque chose ici. It's something up in here. Alléluia. Quelqu'un ici. Somebody here. C'est comme si on t'a mis dans un cercueil. It's as if you were, et Dieu vient le briser. Placed in a coffin. Et il te sort de là. And the Lord comes and breaks afin this que tu le serves. So that you may serve him. Il y a des cercueils que Dieu brise aujourd'hui. Caskets that the Lord is il y a des breaking chaînes que Dieu brise aujourd'hui. That the Lord is breaking il y a des today paroles de condamnation que Dieu brise aujourd'hui. It's words of curse that the Lord is breaking today. Il t'a créé pour que tu sois une guerrière. He created you for you to be a winner. Il t'a créé pour que tu sois une combattante. Created you for you to be a fighter. In sentinel. A watchman. Jesus Christ. A watchwoman. Oh, Jesus. Il rentre dans une synagogue. He walked into a synagogue. Il chasse les démons. Cast out demons. Les démons disent. Demon said. Nous savons qui tu es. We know who you are. Les sorciers qui nous attaquent savent qui nous sommes. The sorcerers who attack us know who we are. Les malades dans ce monde savent qui nous sommes. Sick people in this world know who we are. Je veux dire à quelqu'un, Satan qui t'attaque tout le temps, il sait qui tu es. I want to tell somebody who's always attacked by the devil, si the devil knows who you are. If he attacks you, c'est parce qu'il sait qui tu es dans le royaume. He knows who you are in the kingdom. Il veut te décourager. He wants to discourage you. S'il t'envoie des belles femmes, c'est parce qu'il veut que tu tombes. If he sends beautiful women around you, mais tu ne tomberas pas. But you shall not fall. Non, jeune homme. Non, tu es no, comme Josué. You are like Joshua. Hallelujah. Tu vas faire l'œuvre du Seigneur jusqu'à la fin de ton parcours terrestre. You will accomplish the work of the Lord until the end of your earthly journey. Les démons savent qui est Jésus. Demons know who Jesus was. Il disait, taisez-vous. And Jesus said, quiet. Je n'ai pas vu un autre prophète.
I never saw another que les démons reconnaissaient. That demons acknowledged. Il marche. He walked. Et les démons disent. And demons said, tu es le fils de Dieu. You are the son of God. Il faisait sa pub. They were. Taisez-vous. They were promoting on ne peut pas se taire. Jesus said, quiet. Parce que tu es trop puissant. We can't be quiet because you're too mighty. C'est toi qui nous as créés. You're the one who created us. Nous reconnaissons que tu es le créateur. We recognize that you are the maker. Mon Jésus, my Jesus, il est magnifique. He is wonderful. Vous voulez qu'on lui fasse un bisou? Should we kiss him? Let's blow kiss him. Let's blow him a kiss. Plutôt. Let's blow him a kiss. Alléluia. Oui, non? Encore un bisou? Let's blow him a kiss. Another one. Il y a des malades. There are sick people qui ne savent même pas qu'ils sont malades. Who don't even know they're sick. C'est quand Dieu les guérit qu'ils se rendent compte qu'ils étaient malades. It's only when God heals them that they realize they were sick. Tu aimes trop le sexe, tu es malade. You love sexual relations. Tu aimes too trop much. Le matériel, tu es malade. You like materialistic things. T'as du mal à pardonner, sick. Tu es malade. You have a hard time to forgive. You're sick. T'as tout le temps peur, tu es malade. You're always fearful of things. Dormir dans you're le noir, sick. T'as peur, t'es malade. Sleep in the dark. You're sick. Voici la guérison. But behold, healing. Here is the healing. Essaye avec Jésus. Try Jesus. Essaye une fois. Try just once. Tu ne voudras plus t'en passer. You will not be able to. Et tu ne voudras plus t'en passer. Tu ne voudras plus te passer de lui. You won't be able to do without him anymore. Je veux dire à quelqu'un. I want to tell somebody. Dont la barque est secouée. Whose boat is shaken. Ne la quitte pas. Don't get out of the boat. Don't walk away from it. Ne la quitte pas. Do not leave the boat. Regarde toutes ces années où tu as servi Dieu. Look all those years with when you served the Lord. Tu risques de tout perdre comme ça. You may lose it all just in an. Nah. C'est trop facile. It's too easy. Jésus. Jesus. Il est magnifique. He's wonderful. Qui veut l'inviter dans sa Who vie? Who wants to invite him over to their lives? Wow. Je le dis souvent, il vient me voir. I often say it. Et il me parle. He comes to me and he talks to me. Une semaine à peu près. One week ago. Il est venu me voir. He came down to me. Il était assis sur un banc. He came and visited me. He was sitting on a bench. Et dans un premier temps, je ne savais pas que c'était le Seigneur. And first, I didn't realize it was the Lord. Et je parle avec cet homme qui était là. But I was talking with this man. Et quand il s'est levé, and when he rose, c'était un géant. He was a giant. J'étais comme ça. Oh, c'est le maître, c'est Jésus. Oh, that's the master. Et Jesus. J'avais comme une étoile avec moi. And I had like a Seigneur, star with je me, te la and donne. I said, Lord, I give it to you. Il m'a dit, he non. Said, no. Donne-la à ton prochain. Give it to your neighbor. Occupe-toi de ton prochain. Take care. Look after your neighbor. Quand je me suis réveillé, when I woke up, j'ai dit, Seigneur, I said, Lord. Pourtant, j'essaie de m'occuper de mon prochain. And well, I'm trying to donc, look after my neighbor. Pas assez. So I'm not doing enough. Alors on va encore aller vers les pauvres. So we're going to go to the poor even more. Oh Seigneur, Lord, frères, brothers, dans cette vision, in this vision, j'étais là, je savais pas que c'était le Seigneur, j'étais comme ça, comme I was, I didn't know it was the Lord at first. Et quand il se levait, je me suis senti tellement petit. I felt so small. Jésus, Jesus, il est beau. He is so beautiful, so handsome. Wow. Il fait tellement de choses. He does so much things. Tellement de choses. So much things. Des gens viennent, frère, il y a des sorciers partout. Je dis, oui. People come, oh, there are sorcerers everywhere. Les sorciers everywhere. Savent like, que yeah. Nous savons qu'ils sont sorciers. Sorcerers know, we know they're sorcerers. Vous avez déjà vu un lion? Have you ever seen a lion? Se tracasser parce qu'il y a un caniche quelque part? Being troubled because there's a dog somewhere? Vous avez déjà vu un lion? Have you ever seen a lion? Se mettre à se préoccuper d'un petit chien caniche. Being bothered, vous avez des petits chiens là. Being bothered by a si vous allez dans le 7e à Paris, if you go to the 7th on voit souvent les Paris, grandes dames qui ont des moyens. You see those women, elles ont leurs petits ones. Les chihuahuas là. Voyez, they have those chihuahua dogs avec leur manteau là. With their fur vous avez les chihuahuas coats. Quand tu es loin. You see the chihuahua when you walk by, they start barking at you. Et vous avez les gros chiens là. See those big dogs. Les chihuahuas, c'est eux qui les provoquent. Hein? The chihuahua are those who are provoking them. Et les bergers allemands là. And the German shepherds. Les rottweilers là, tout ça là aussi là. The rottweilers. Ça marche avec assurance. They walk with assurance. Dans les petits chiens. Et quand le gros chien s'arrête. And when the big dog. Dans le petit chien qui fait. The little dog is backing up. Eh ben, le gros lion. And now the big
C'est notre Jésus de Nazareth. Hallelujah! Et les chihuahuas là. And the chihuahua dogs. Les démons. Demons. Et nous. And we, les petits lions, les lionceaux. The lion cub, nous suivons le lion. We follow after avec assurance. With assurance. Hallelujah! Praise God. Hallelujah! Parlez-nous de Jésus, s'il vous plaît. Please tell us about Jesus. Frère, pendant l'éternité, on sera avec lui. For the eternity long, we will be with him. Est-ce que vous vous rendez compte que nous allons voir ses yeux? Do you realize we'll be able to on va voir ses yeux, tout ça, là, ses, we'll ses oreilles, eyes, ses cheveux. His hair. Tu pourras même caresser ses cheveux. You will be able to, je vous dis. Stroke his hair. Tu pourras même faire des bisous sur sa... You'll be able to kiss papa. Him, my father. Un jour, je méditais. Cette semaine, je méditais un passage. This week, I was studying on studying a passage. On finit bientôt, vous inquiétez pas. We almost done, don't worry. Et la parole nous dit. And the word says. Jésus marchait. Jesus walked. Vous avez vu Jésus marcher? See Jesus walk. Toujours une foule, hein, avec lui. It was always a procession behind him. Il ne marche pas seul. Jesus never walks alone. Le roi des rois est the toujours King accompagné. Of kings is always accompanied by Il y a people. Une foule de gens. It's a crowd of people. Tout le monde le touchait, hein? Everybody would touch him. Il y a une femme. Just but a woman. Atteinte de n'est-ce pas d'une hémorragie. She was depuis 12 ans. Comment on appelle ça? She was subjected. Elle perdait du sang. Subjected to blood loss. Elle vient. And she came along. Elle touche le Seigneur. She touched the Lord. Le pan de sa robe. The train of his robe. Le Seigneur s'arrête. The Lord stopped by. Il dit qui m'a touché? He said who touched me? La Bible dit littéralement. Literally the Bible says. Tout le monde le niait. Everybody denied. Quand je suis tombé là-dessus. When I read this passage. Et le Seigneur me dit tout le monde. Toucher le Seigneur. Told me everybody would touch the voilà Lord. Pourquoi ils l'ont nié. That's why they denied. Ils ont menti. They lied. Mais il me dit, tu vois, tout le monde m'a touché. But the Lord told me everybody mais touched une me. Seule femme m'a touché avec son cœur. But only one woman touched me with her heart. Ah! Vous avez vu, non? See? Parce qu'elle a touché le Seigneur avec son cœur. Because she touched Jesus with her heart. Le Seigneur a arrêté son cortège. The Lord stopped the procession. Je veux dire à quelqu'un. Want to tell somebody. Le Seigneur va s'arrêter juste devant toi parce que tu as touché son cœur. The Lord is going to stop by you because you touched his heart. Jesus. Wow. Et tu sais comment toucher le cœur de Dieu? And do you know how to touch the Lord's heart? Malgré les problèmes. Despite malgré the troubles. Le découragement. Despite disappointment. N'abandonne pas la foi. Discouragement. Do not give up on faith. Montre à l'ennemi. Show the devil. Que tu ne sers pas le Seigneur parce que tout va bien. That you don't serve the Lord because everything runs smoothly in your life. Que parce que tout va mal. But just because everything is que going tu le sers justement. That's just the reason why you're serving wow. him. Jesus. Il a dit, he said, quand l'esprit viendra, when the spirit il ne comes, parlera pas de lui-même. He shall not speak of himself. Il parlera de moi. But he will speak of me. De moi. Me. De moi. Me. C'est-à-dire de Jésus. Which is Jesus. Tout ce qu'il fait depuis que je le connais. All that he's been doing ever since I've known him m'étonne. Amazes me. Toutes ces choses me surprennent. All those things astonish me. Il guérit. He heals. Il restaure. He restores. Il agit. He's moving. Et nous disons, mais Seigneur, c'est toi qui fais ces choses. And we realize that it's the Lord who does everything. He does it all. Un homme est venu me voir il y a quelques jours, c'était avant-hier. The day before yesterday, somebody came to me. Il s'occupe des autoroutes de son pays. Is in charge of restoring and maintaining c'est the highways. C'est le concurrent de Vinci ici en country. France. He's like the il s'occupe de tous les ports de son pays. He takes care of all the harbors back in his country. Il participe à toutes les réunions gouvernementales de son pays. He is part of all the governmental reunions taking place in his country. Frère, brothers, il vient au bureau. He came down to the office. On discute. We talked. We had a conversation. We chatted. Il dit, on suit les enseignements. And he said, we listen.
to the teachings. On a implanté plusieurs assemblées depuis grâce à ce message. And because of this message, we have established different assemblies here and there. Venez au pays. He said, "Come to my country." Et moi, depuis quelques mois, je disais déjà depuis quelques mois, je disais, j'avais affaire d'aller dans ce pays. And surprisingly, for a couple of months, I had been saying. Et je sentais que c'était pas le temps. I would like to go to the country, to this country. Et quand cet homme est venu, it was not the time. But when this man came along, je lui dis, on va venir. I told him, we will come. Mais je lui dis, mais. But. Je vais prier le Seigneur, lui demander si c'est sa volonté. I want to pray the Lord to make sure it's will. La nuit, j'ai prié. C'était cette semaine. At night time, I prayed. J'ai rien reçu. I didn't receive anything. Le lendemain, je prie. The next morning, I prayed. Je dors. I fell asleep. Et Dieu vient me voir. God visited me. Et il me parle. And he talked to me. Il dit, il faut y aller. He told me, go. Waouh, ça c'est mon Jésus. That's my Jesus. Ça c'est mon Jésus. That's my Jesus right there. On était au Cameroun. When we went to Cameroon. Cette année. This year. Il y a quelques mois. Earlier this year. Il y avait une jeune fille de 12 ans. There was a 12-year-old little girl. Elle avait son corps était c'est comme en fait c'est comme si elle n'avait pas de d'ossature, c'est comme si elle n'avait pas de skeleton. D'os, tu vois. Like it was as if she elle didn't était toute molle comme ça. She was soft. Et elle bavait. She was drooling. Elle pouvait pas se tenir droite. Her body was weak. She elle mangeait she difficilement. Straighten. Elle avait du mal à ouvrir ses yeux. She had a hard time opening her eyes. On était mal. We felt bad. Sa mère la portait tout le temps. Her mother was always carrying her around. Elle bavait. She was drooling. On prie pour elle. We prayed for her. Je prie au nom de Jésus. I prayed in the name of Jesus for her. Le Seigneur me dit, dis à la famille, c'est ok, c'est réglé. The Lord told me to tell the mother, it's okay, it's finished. Ensuite, on appelle. Later, on l'appelle il n'y a pas longtemps. Not long ago, we called. Cet enfant. This little girl. Se tient debout. She's standing up. Mange normalement. She eats normally. Ne bave plus. She doesn't drool anymore. Parle normalement. She speaks normally. La personne qui nous a appelé, and the person who qui a appelé un frère, reached out to the brother, disait said qu'elle est allée là-bas. That she went there. Elle voit une jeune fille en train de tresser quelqu'un. And she saw a little girl braiding, doing somebody's hair. Elle lui demande, ta maman est là? Elle dit, and she est said, là-bas. Well, your mother is over there. Et elle n'a même pas réalisé que c'était la fille qui était malade. And she didn't even realize it was the sick frère. Brothers. Il y avait une dame là-bas. There was another elle woman. Avait le site, elle avait un there. Cancer et un diabète. She had diabetes and elle est venue, cancer. On a prié pour elle au nom de Jésus. She came and we prayed for her in the name of Jesus. Son fils m'a dit il y a quelques jours là. Her son told me le cancer de maman et son diabète ont disparu. Cancer and diabetes went away. Praise God. Et vous voulez que j'abandonne cet homme de Galilée? You want me to give up on this man of Galilee? Non. I won't. Ah. Pour finir, and to conclude, quand Jésus arrive quelque part, when Jesus goes somewhere, quand il rentre dans une maison, dans when un, he walks into dans a un, house, dans une vie, or he walks into somebody's il life, bouleverse tout. He turns everything upside down. Ah oui. Yes, he does. Il change notre vision de he des choses. He changes our mindset. Il change tout. He changes it all. C'est ce que vous avez vécu aussi quand vous êtes parti en mission à l'île Maurice. Et en plus de ça, on a prié pour un monsieur qui avait un cancer de la gorge. Et j'ai appris il y a 2 jours qu'il va mieux. La bile ne monte plus. Il va beaucoup mieux en fait. Ça c'est Jésus. This is Jesus. Frères, sœurs, s'il vous plaît. Brothers and sisters. Regardez autour de vous. Look around. Vous ne voyez pas que nous sommes à la fin? Don't you realize we're at the end times? Alors je vous dis une chose. So I would like to tell you. Nous allons bientôt nous retrouver dans l'éternité. Soon we will be in eternity. C'est là. It's right there. It's at hand. On ne va plus dormir. We shall not sleep anymore. On n'aura plus de douleur. We will not feel any pain anymore. On ne mourra plus. We will not die anymore. Vous savez ce qui va se passer au ciel? You know what's going to happen in heaven? Dans la nouvelle Jérusalem après? In New Jerusalem later. Pendant l'éternité? For eternity. Il y a beaucoup de collines là-bas, des montagnes. It's many hills, mountains. Avec there, toutes sortes d'herbes. With all type of grass. Ça chante. It sings. On va prendre nos harpes. We will take our harps. On aura des voix
terribles. We will have wonderful voices. Et on va louer le Père. And we will praise the Father. Il y a des chutes d'eau, il y en a plusieurs. And waterfalls, it's many of them. On va nager avec des poissons. We will swim with fish. On va être sur le dos de dauphins. We will be, on va faire du dauphin. We will ride dolphins. On va surfer. We will surf. Je vous dis, hein. I'm telling you. Frères, sœurs. Brothers and sisters. Ça va être glorieux. It's gonna be glorious. Il va essuyer nos larmes lui-même. He's gonna wipe our tears away. Toutes ces années de rejet. All those years of rejection. Il te dira, ma fille. He will tell you, my daughter. Voici ta couronne. Here's your crown. Ah bon, Seigneur, c'est pour moi. Lord, avec des pierres précieuses partout. With precious stones all around. Voici ta robe. All over. Here's ta ceinture. Gown, tes sandales. Your sandals. Tu vas rayonner. You will glow de gloire. With glory. Tu te rends compte? Do you realize? Ne pleure plus. Cry not. S'il te plaît. Cry s'il no te, more. S'il te plaît, ne pleure plus. Please cry s'il no more. S'il te plaît, ne please pleure plus. Ne pleure plus. No more. S'il te plaît. Please, please cry no more. Ne te décourage plus. Don't be discouraged anymore. Bientôt nous allons partir. Soon we will, il me dit de vous le dire. Depart. Il me dit de vous le rappeler. He's telling me to remind you of this. Nous allons partir. We will leave soon. Des anges viennent déjà. Angels already des anges down. Descendent déjà. Angels already descending. Et tu vas être surpris de voir tout ce que le Père a préparé pour toi là-haut. And you will be so mesmerized tout ce qu'il a réservé pour toi. Established for you up there. Everything that he has kept in store for you. On va chanter avec Abraham. We will sing along with avec Abraham, Joël. With Joel. Avec Isaïe, with Isaiah, Jérémie, Jeremiah, vous vous rendez compte? You realize, on va voir Enoch. We will see Enoch. On va voir Noé. We will see Noah. On aura l'éternité pour discuter. We will have all eternity long Noé, to discuss Noah. Raconte-moi un peu. Tell me. Comment ça s'est passé ce jour-là? How did it happen on that day? Oh, le déluge était terrible. Oh, the flood was crazy. Abraham. Abraham. Comment c'était? How was it? Père Abraham. Father Abraham. Isaac. Isaac. Jacob. Jacob. Comment c'était? How was it? On va voir Paul. We'll go to Paul. Paul le persévérant. Paul the persévérant. Comment c'était? On va voir how Jacques. We'll see James. Qui dénonçait les riches, qui ne voulait pas du Seigneur. Jacques, comment c'était Jacques? How was it James? Oh, ça va être magnifique. It's going to be wonderful. Autour de la table. Around the table. On va nous servir. We will serve. Du vin nouveau. New wine. Tu auras une coupe en or. You have a golden cup. Tu te rends compte? You realize? Michael, Michael, un peu encore. Un peu. Michael, Michael, Marco, pour me another one. Oh. Vous voulez rater ça? Do you want to like miss out on this? On va se balader dans tout l'univers. We will walk around the whole universe. Je te dirai, Jesse, viens. Souviens-toi de cette parole. Je vais te le dire là-haut. Remember. Jesse, viens avec moi. Allons visiter la planète Mars là-bas. Là. Praise God. Ouh. On atterrit comme ça, un grand jardin. Et des bananes là-bas, on prend. There will be bananas. Parce qu'on va manger, hein. Because. Bah oui. Boy, will we eat over there? Waouh. On va voler. We will fly. Il n'y aura plus de deuil. There won't be no more burial. Plus d'enterrement. No burial. No fini. Funerals. On ne va même plus te changer de vêtements parce qu'on aura un vêtement qui va s'attacher à notre corps. Anymore because we will have a garment that's going to be attached to our body. Et ceux qui pleurent à cause du Seigneur, qui and sont rejetés, cry because of vont the rayonner là-haut, frère. Will be radiant up there. Il n'y aura ni arabe, there won't be no Arabs, ni noir, no black people, ni jaune, no yellow people, ni asiatique, no Asian, ni hommes et femmes des îles. No ni africains, no Africans. Nous serons tous un en Jésus-Christ de Nazareth. Jesus. Pendant l'éternité, for the eternity fête long, sur fête, parties over parties, adoration sur adoration, worship session over worship session. Qui veut y aller? Who wants to be there? Alors, invite Jésus-Christ. So invite Jesus. Ceux et celles qui veulent prendre leur baptême aujourd'hui. Those of you who would like to be baptized today. Lève les mains. Raise your hands. Magnifique Seigneur, merci Seigneur. Venez me voir, on acclame come le Seigneur forward pour leur vie. Venez. Give a hand clap to the Lord for wow. Venez vous qui voulez prendre vos baptêmes. Come forward, all of you. Prendre votre baptême et suivre Jésus de Nazareth. To be baptized. Sorry. Come forward. Il y a une personne qui souffre du genou droit. It's somebody who's suffering from their right knee.
C'est beau, c'est magnifique. It's wonderful. Vous voulez suivre le Seigneur? You want to serve the Lord? Alléluia, gloire à Dieu. Praise oh, God, magnifique. Praise God, praise God. Magnifique Seigneur. Praise God, praise God. C'est vous le genou droit là? Your knee. Gloire à Dieu. Ah, c'est vrai qu'elle boitille un peu là. Depuis combien de temps vous souffrez de ça? How long have you been suffering from this knee? Mais ça a commencé à s'empirer il y a 2 mois. Got worse 2 months ago. Il y a une personne qui est venue nouvellement qui a honte par rapport au baptême. Son cœur bat. Is somebody here who is here for the first time and they feel attracted by baptism and their heart is pounding? Ah bon? Ah ben gloire à Dieu. Alléluia pour le baptême. Venez, venez, venez. Come c'est pas forward, fini. Come forward, come forward. Venez. Là-bas, il y a une femme là-bas qui. Dit, Dieu l'aime, Dieu t'aime, ma soeur. Dieu t'appelle. C'est God ton is jour. Calling you. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur veut essuyer vos larmes, ma jeune femme. Young girl. Qui avait un haut blanc. You in a white le Seigneur top. Veut vraiment vous visiter, vous faire du bien. The Lord wants to do you good. Vous aimez aider les gens, vous n'aimez pas l'injustice. You don't like injustice, you like helping people. Et vous vous posez beaucoup de questions. And you're questioning a lot. Des questions existentielles. Regarding life, questions regarding l'injustice life. Vous peine, vous fait mal. Injustice grieves your heart. Vous donnerez tout ce que vous avez pour les autres, pour les pauvres. You could give everything you own to help the poor. Et le Seigneur veut se servir de vous pour être une voix pour les sans voix. And the Lord wants to use you to be a voice for the voiceless. Comme un père, le Seigneur veut vraiment vous soigner. As a father, the Lord wants to heal you. Visiter, vous encourager. Visit you, encourage you in the name of Jesus. Oh, thank c'est Jesus. Magnifique. It's wonderful. Dieu les aime. Vous voulez God vous comprendre pour voulez-vous prier pour ces personnes? Should we pray for prions those people? Let's pray for them. Pour eux, let's Seigneur. Pray. Let's merci, pray. Papa. Thank you, Jesus. Oh, Seigneur, merci. Father God, thank you. Jesus. Oh, magnifique, Seigneur. Wonderful, Jesus. Votre cœur a beaucoup été blessé. Your heart has been hurt a lot. Beaucoup souffert. Lots of suffering. Vous avez vécu beaucoup le rejet, you've lived through rejection, in great, le Seigneur in vous gratefulness, but the Lord is healing you. Oh, Seigneur, merci. Thank qu'elle you, soit guérie, qu'elle soit libérée. May she be Jesus. Free in the name of Jesus. Soit libérée au nom de Yeshua. Be free in the name of Jesus. Be free. Death comes out right now. Come out. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Allez au baptême. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous aime. The Lord loves you. Alléluia. You may go get suivez baptized. Le frère qui est là. The brother over there. C'est pour le baptême. Gloire à Dieu. Ton genou.